Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, eh bien, on va rendre hommage à Irène Grosjean, une grande dame qui nous a quittés voilà quelques jours. On n'est pas fixé sur la date puisque sur l'article qui concerne sa mort, eh bien, on nous dit qu'il y aurait 3 jours de différence entre la date annoncée par Thierry Casasnovas, je crois le 27, et la date annoncée par la famille, le 30. Donc il y aurait peut-être, qui sait, une manipulation ici des reptiliens, ou une faille dans la physique quantique, une faille temporelle qui fait qu'on aurait été manipulé. Non, trêve de conneries, on ne sait pas quel jour elle est morte. Bon, ça peut être dû à un ennui de... à une erreur. Toutefois, elle aurait perdu le contrôle de sa voiture, nous dit-on. Je ne pensais pas qu'on conduisait encore à cet âge-là. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'Irène Grosjean? Parce que, en même temps, pour ne pas faire de polémique, il y a eu un autre naturopathe de 73 ans que je ne connaissais pas qui est décédé sur une table d'opération. Là encore, un hasard, hein, faut pas imaginer la main, je pense, de... la main d'un lobby au point, hein, d'abord parce que ce serait stupide de zigouiller quelqu'un de 93 ans, et puis peut-être qu'ils vont pas jusque-là quand même. Toutefois, Irène Grosjean, eh bien, c'est quelqu'un qui, je pense, a marqué, comme Thierry Casasnovas, la vie de la naturopathie, et qui finalement a montré un bel exemple de solutions alternatives, disons, à la médecine conventionnelle. Alors attention, hein, j'ai jamais dit tout de suite là que, contrairement à Irène Grosjean parfois, qu'on pouvait résoudre des problèmes de cancer avec la médecine naturopathe, hein, la naturopathie. Je dis simplement que dans certains cas, elle a apporté une solution, une ouverture. Il faut se rappeler quand même, hein, que dans des cas normaux, on considère que l'effet placebo représente à peu près 50% de l'effet de quelqu'un qui se fait soigner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que si toi t'es persuadé que ce que tu fais, eh bien, ça te fait du bien, ça veut dire que tu as peut-être en gros, eh bien, 50% de chance d'aller mieux. Donc, eh bien, ça nous dit simplement que Irène Grosjean a fait avancer les choses. Et puis, je crois, elle a finalement, comment dirait-on, elle a changé les paradigmes. À une époque, je me rappelle, dans les années 80, t'allais chez ton médecin, c'était systématiquement comme si t'avais 80 ans, toujours ton organisme qui déconnait. Il y avait un problème, on vous donnait un médicament. Il y avait un problème, on vous donnait un médicament. Le médecin était sympa, il était un notable, on avait confiance en lui. Il avait pas une grosse voiture, ça ne faut pas montrer son pognon. Une belle mallette en cuir, un nœud papillon parfois, il sentait bon le toilette, et puis il te filait encore un médoc. Alors, depuis 2000, hein, les choses ont évolué, les laboratoires ont été grandement repris par des businessmen, et Inès Grosjean bien, nous a appris qu'il y avait, dans certains cas, le moyen de vivre autrement. Et bien entendu, elle s'est fait des ennemis. Bon, comme elle avait un certain âge, je pense qu'on l'a laissée tranquille. Et puis, à un moment, il y a eu ce petit problème du bain, là, du bain glacé avec la friction de l'enfant. Et là, ça a quand même... on l'a accusée d'agression sexuelle. Alors, quand on écoute ce qu'elle dit, quand on voit, j'ai pas l'impression. Et puis, je crois qu'il faut, concernant un être humain, bien, on a bien vu avec l'abbé Pierre, il faut faire des bilans et puis se dire que peut-être, comme la justice, eh bien, il faut mettre deux balances, une balance et deux plateaux, et d'un côté, ce qu'on pourrait reprocher à la personne, et de l'autre côté, ce qu'elle a apporté. Et ce qu'a apporté Irène Grosjean, maintenant, au niveau où les médias existent, je veux dire les médias vidéo qui permettent de diffuser, eh bien, c'est assez énorme. Hein. Alors, bien entendu, on nous prend pour des lobotomisés en nous disant qu'on croit tous à ce que dit Irène Grosjean quand elle parle de cancer et que tous les cancers se régleraient grâce à la naturopathie. Non, on n'est pas stupide. Hein. Y a eu aussi un problème quand Irène Grosjean a fait des séminaires avec Miguel Barthélery, qui lui a été condamné. Je crois que c'est 2 ans de prison avec sursis, mais qui a dû faire appel. Apparemment, il est déraillé, lui.
J'ai jamais entendu, mis à part ça, Irène Grosjean dérailler, donc à 93 ans, elle est décédée même pas de sa mort naturelle. Voilà, alors je vais dire quelque chose de choquant, mais je ne la plains pas dans la mesure où je pense qu'elle a eu une belle vie. On finira tous notre vie, et peut-être pas à 93 ans, donc oui, voilà, rendons-lui hommage, et puis essayons de regarder certaines de ses vidéos. Elle était vraiment inspirée et inspirante, elle avait des manières de jouer avec les mots. Et voilà, alors j'ai entendu dire qu'elle formait des naturopathes en leur faisant payer des stages de 6 jours de 600 à 900 euros. Mon Dieu, mais t'as jamais fait de stage. J'ai fait un stage de parapente d'une semaine, c'était 400-500 euros. Le paramoteur, c'est 1800 euros. Ouais, il faudrait peut-être que les gens sortent de leur... enlèvent leurs œillères et puis commencent à s'ouvrir. Il y a un problème aussi typiquement français, c'est que quand quelqu'un gagne un peu d'argent, alors ton voisin peut bien faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'il a un garage, mais par contre, en revanche, eh bien, c'est interdit au type qui fait de la naturopathie de gagner sa vie. Ton voisin, ton spécialiste, peut faire 20 plaques par mois, 20 000 balles, mais par contre, le type qui est naturopathe doit rester dans les clous. C'est curieux, c'est une sorte d'orthodoxie française hein, qui finalement a tendance à refuser le succès. C'est même préjudiciable en politique. Voilà, on se retrouve très bientôt. Donc petit clin d'œil à cette grande dame qui a eu, dirons-nous, une vie complète hein, et qui a formé de nombreuses personnes. Je rappelle que, encore une fois, les gens que j'ai vus se réclamer d'Irène Grosjean, le chou brave entre autres, je crois, ne me paraissent pas des individus décharnés d'une secte complètement malade. Hein. On n'est pas chez Raël ici, ni chez Moon. Voilà, petite musique pour terminer et pour penser à Irène. Salut l'ami.